Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Raft. Et oui, a priori, la mise à jour niveau numéro 12 devrait pas tarder. Donc, du coup, on se remet un petit peu dans le bain. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Enfin, sur l'eau. Nous y voilà. Et c'est parti. Bah, ça commence. Mobile est là déjà? Oui, bah oui, lui, il traîne pas, lui. Il va déjà venir. Oh, ça commence bien la partie, t'es. Ça promet, les gars. Trop petit ce bateau. Je vérifie où je marche, hein. Je tiens pas à reprendre un bain. Tonneau, ouais. Les tonneaux, faut pas les louper, vraiment pas. Trop court. Qu'est-ce que je disais? En plus, les trois quarts du temps, on foire tout ce qu'on était en train de faire. Allez. Bon, ça va. Un peu galérien, hein. La reprise est dure, hein, quand même. Quelques semaines que j'ai pas joué, voire quelques mois. Calme-toi, toi. Notre copain. Surtout quand on est habitué sur les anciennes parties à avoir l'autre crochet qui lance plus loin, plus précis, plus vite. Ouais, c'est pas évident. Hein. Bon, je suis pas forcément doué à ça non plus. Voilà. Déjà, je me suis retrouvé une fois sans pas pouvoir le refaire. Je vous dis pas la galère. Tonneau! Il y a une île pas loin. Mais je pense qu'on va la laisser, à moins de rentrer vraiment dedans, mais sinon. Tant que j'ai pas de rame ou des conneries comme ça. Vraiment que je me fasse plus de fleurs, de palmiers. Petite feuille de palmier, allez, et allez, n'avance pas, jette. C'est pas toi le crochet. Et merde, du coup. Allez, hein, dès qu'on fait une erreur, on est souvent passé la chance. Bon, du coup marteau, hop, voilà. Bon, généralement c'est ce que je fais dès le début, comme ça au moins je peux me déplacer un peu plus large et ratisser un peu plus loin. Attends, attends, hop.
Oh, bélo. Peut-être pouvoir m'échouer sur l'île. Hein. Allez, Toby. Bah ouais, mais. Je viens de la poser. Putain. Vilain. Vilain. Je venais de la mettre. Pas le temps de s'user avec lui. Hein. Est-ce que. Il va tourner le bateau et s'arrêter ou il va continuer? Parce que là actuellement j'ai pas d'ancre, hein, donc s'il s'arrête pas. Ouais, vous voyez, il dérive lentement. Il dérive lentement mais il dérive. Je fais un speed rush, allez. Voilà. Hop, un peu la fleur, ça. Il n'y a pas une ananas. Des pastèques. Non, pas de pastèques. Allez. Et voilà. Toujours des pastèques. Oh, mais c'est vrai, c'est tout ça. Ah. Une affaire rondement menée. Par contre, du coup, ça m'a dérivé le bateau. Généralement, c'est pour ça. Les premiers bateaux que je fais, c'est des croix en fait. Parce que comme ça, peu importe le sens dans lequel il tourne. Parce que je vais être assez long. Non. Normalement, oui. Okay. Nice. Ouh, ça c'est bien ça, pour apprendre des choses. C'est la fleur. Bon. Du coup, ben, on va profiter. C'est pas symétrique, je sais. Je sais, genre, je sais. Même moi, ça me fait mal aux yeux. Ça ira mieux. Je veux du plastique, dis donc. Enfin, je veux tout. Surtout du plastique pour l'instant. Je vais agrandir le bateau. Ah bah oui, lui il attend pas. Hein. Et je me foire tout le plastique, vous êtes tranquille. Hein? Il a pété. Voilà. Il n'y a rien à l'horizon. Non. Bon. Est-ce que je peux les faire? Ah ah. Est-ce que je peux faire les trucs de récup? Non, pas encore. Bon, par contre, ça, il va falloir vite que je le fasse. Et ça, pareil. Au début, c'est en cours d'un côté de l'autre. À
Après, quand on a les filets de récupération, franchement, c'est la vie, quoi. Bah, je le cherchais partout, il est à côté de moi. Bien. On va se faire, je pense, ici. T'as toujours le plastique. Bon. Alors je le mets jamais que sur une case, je le mets toujours sur au moins deux, parce que si l'autre Toby là il vient le bouffer, bah vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Au moins sur deux, vous avez une chance de le garder, quoi. Quand il va faire nuit, j'espère qu'en vidéo ça va bien donner, parce que bon. Pour le joueur c'est toujours facile, pour ceux qui regardent c'est moins évident. Un petit godet, plastique, voilà. Faut vraiment que je fasse l'atelier de récup, hein, je pense. Bon, déjà, on va faire un canapé pêche, forcément pas. Je fasse l'atelier, hein. Pour faire les filets de récupération, a priori. Ok. Ça c'est pas mal ça par contre. Putain, je commence à avoir soif, voilà. Ok. Je sais Toby, ça vient, ça vient. Attends, l'ananas, les pastèques, normalement ça donne ça. Ouais, c'est ça. Ah, et puis en plus la mer va se déchaîner. Génial. Au début, quand vous avez un tout petit bateau, le nombre de fois où vous pouvez vous foutre à l'eau, c'est parce que vous regardez pas où vous mettez les pieds. Alors, c'est qu'on en est.
sérieux. Schéma de l'antenne, ok. L'autre il est en train de me bouffer le bateau, enfoiré! Celui-là c'est pas trop grave. Ah là, une tempête là. Récepteur. Ouais, bah nickel! Hop, ok. Faut que je pêche, j'avais dit. C'est ça que je voulais faire, canne à pêche. Faut que je me nourrisse un peu. Ouais. Cela vous pouvez les jeter du moment vous avez déjà acquis de toute façon donc eh bien oh la smactique du crochet ouais on va pêcher. Ah. Faut vraiment que j'agrandisse ce bateau. Je galère hein, au début là, c'est impressionnant. Alors, par contre, il y a un petit bateau là-bas, ça aurait été bien d'aller le choper, mais bon. Ouais, je sais. Je sais ta faim. Non, c'était pas mangé, c'était placé. Que je peux jeter comme ça. Meilleur quand c'est cuit, hein. On va se faire un peu de place déjà. Alors, on va étudier ça. Parce que j'ai de la corde. Ok, ça. La charnière pour le stockage. Ouais. A priori, on est bon. Petit clou peut-être. Ah ouais, petit clou. Allez, on apprend tout, voilà, filet de récupération. Voilà.
Ok. Ah lui, vous voyez, quand il arrive comme ça, c'est qu'il va naquer. Allez! On se connaît bien. Ici, ici. Bon, je vais mettre un endroit un peu plus large quand même pour mettre mon lit. Hein. Allez. Ça, tant qu'on peut en faire, faut en faire. Voilà, ça commence. Nice. Ok. Plus mauvais tumeur. Par contre, il commence à être un peu malade. Ok. Est-ce que je peux en faire d'autres? Je sais jamais où ils sont. D'accord, directement, ça c'est cool. Hello. Ah ouais, il m'en manque encore. Hein. Est-ce qu'il y a place? Ouais, elle passe à côté. Hein. Elle aussi, elle passe à côté. Où elle est? Ah. Cache-toi, j'ai un tonneau. Hop. Pas sous les pieds. Voilà. Bon, pour l'instant, je les mets dans ce sens-là parce qu'on avance dans ce sens-là. Mais... Ça y est, la mer redevient belle. Que j'oublie très souvent dans le jeu, c'est la fin. Et j'ai plus rien sur le feu, forcément. Voilà, il va falloir vite trouver une île pour se restaurer, se remettre à peu près bien. Au niveau ferraille, bois. Mais non, placer, pas manger. Bah bon, oui, bah je me doute. Ah voilà, ça c'est bon. Et ben voilà, petite île.
Allez, laisse-moi mon bateau. Allez, on va aller droit sur l'île. Terre en vue! En plus, il y a des tonneaux impeccables. Parce que, un truc à savoir, c'est qu'en fait, tout est statique sur la mer. Il n'y a rien qui dérive. Ça dérive parce qu'on avance, c'est tout. Sinon vous allez voir, hop, je peux pas courir forcément. Et voilà. Vous voyez, ça dérive pas. Bon après j'ai toujours la pastèque hein, pour sauver. On sait jamais. Hein. Ouais bon, vu qu'il n'y a pas de péremption sur les aliments, je m'entends. Pas trop d'utiliser n'importe quand, vraiment 4 surcours en route de secours, oulala, 4 dangers route de secours, voilà. Faites un mix des deux, vous avez compris ce que je voulais dire. Je me suis loupé ou quoi? Ah bah oui. Feuille et clou. Bon, ça un clou. Voilà. Allez, on se fait cuire un ou deux poissons et on fait le tour de l'île. Reste tranquille Bobby. C'est mignon. Et je me fais cuire celui-là, voilà. Bon et puis ben on va garder l'exploration de l'île pour le deuxième épisode. Allez, à bientôt !